Le député Gabriel Serville fait salle comble hier soir à la CCIG pour le lancement de son mouvement politique à Pays-Guyane. Un slogan, Panga. Les sympathisants de Gabriel Serville se sont succédés au micro. Ils ont abordé des thèmes aussi variés que la santé, l'éducation ou encore le vivre ensemble. Pourquoi lancer un mouvement politique maintenant alors que Gabriel Serville est encore député? Anthony Lair et Martial Gritt lui ont posé la question. La ligne politique de Pays-Guyane, je vais la résumer en deux mots, c'est le rêve et le chemin. C'est le rêve de hisser la Guyane à un rang de carrefour mondial d'excellence et c'est aussi le chemin en disant que cette force, cette transformation ne pourra se faire qu'à partir de l'instant où on aura réussi à rendre citoyens toutes les personnes qui vivent sur le territoire de la Guyane, quelle que soit leur religion, leur communauté d'appartenance, etc. C'est vraiment un projet qui s'adresse à toute la Guyane dans sa globalité et je crois que le jour où on va réussir à le faire, ça nous permettra d'établir un bon rapport de force pour faire en sorte que les voix portées par les élus de Guyane soient mieux entendues auprès des membres du gouvernement. Alors, on ne peut pas parler de ligne politique à proprement parler, parce que là, on est vraiment dans une dynamique qui est innovante par rapport à tout ce qu'on a fait par le passé. Mais j'ai dit à mes amis, pourquoi refaire ce qui a déjà été fait lorsqu'on se rend compte que ça n'a pas été suffisamment efficient pour permettre à la Guyane d'avancer plus vite et d'arriver plus loin. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.